Au printemps 2016, nous avons accepté de participer à une expérience, porter un regard nouveau sur le patrimoine de notre commune. L'objectif qui nous a été proposé ? Réaliser une vidéo présentant les bâtiments de l'ancienne choucrouterie de Rieux, promis à la destruction à l'automne 2016. Mais nous ne savions rien de cette ancienne choucrouterie. Nous n'en connaissions pas même la localisation, car elle est fermée depuis longtemps et les bâtiments sont utilisés depuis des décennies par le centre technique municipal. Notre première approche de la choucrouterie et de son histoire s'est faite par le biais de l'interview d'un couple de maraîchers rillards, Maxime Thévenin et son épouse Marguerite Chevalier. Marguerite Chevalier était la fille de Paul Chevalier, maire de la commune de 1957 à 1964. Le son enregistré en février 2010 n'est pas très bon. Nous découvrons néanmoins le passé agricole de la commune. Grâce à des photographies conservées aux archives municipales, nous réalisons que Rieux était une commune agricole et que la ville nouvelle s'est en fait édifiée sur d'anciens champs et notamment sur les champs de choux. À Rieux, la terre est très bonne, mais quand même un peu collante, quoi. Hein. Et au point de vue pour les légumes, c'est une terre qui convient très bien. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons jamais eu de bétail. Hein. À Rieux, il n'y avait pas de vaches. Parce qu'il n'y avait pas de champs propices à faire des embouches, à mettre du pré, parce que la terre était vraiment... Nous décidons alors de retracer l'histoire de ce lieu, en commençant par réunir tous les indices que nous pouvons rassembler. La tâche n'est pas facile, les documents disponibles sont peu nombreux et dispersés. La SATNA, Société d'Histoire de Satenay Village, conserve quelques photos et des objets. Madame Dufournet, la présidente, nous présente notamment les couteaux utilisés dans les champs pour ramasser les très gros choux à choucroute. Elle nous montre également des ustensiles employés dans les familles de Rieux et de Satenay pour faire la choucroute à domicile. Nous rendons aussi visite à François Bonfré, membre de la Société d'Histoire de Rieux-la-Pape, qui possède des reproductions de photos et même une boîte de choucroute faite à Rieux et toujours intacte. Nous décidons alors de nous rendre sur place. Mais les bâtiments sont peu lisibles. Ils ont été modifiés et ne gardent que très peu de traces de leur ancien usage. Nous sommes très surpris par les sous-sols qui sont très obscurs. Nous nous trouvons dans une succession de rectangles de béton qui forment d'étroites allées. Les questions surgissent, mais restent sans réponse. À quoi correspondent les mots sur le sol ? De quand date le monte-charge qui se dissimule dans une déclivité du sous-sol ? Combien de cuves y avait-il ? Après cette visite, lorsque nous écoutons à nouveau le témoignage de Monsieur et Madame Thévenin, nous commençons néanmoins à lever le voile sur l'histoire de ce site et son organisation. Alors la choucrouterie, c'est une vieille histoire. Hein, les agriculteurs mais descendaient à l'époque avec les chevaux. Hein. C'est livré à un négociant à Saint-Clair, qui était Monsieur Rousseau. Et puis, il fabriquait et transformait le chou en choucroute. Et puis, est arrivé un moment où il faisait un petit peu mourir les agriculteurs. Bon, alors, un groupe d'agriculteurs, alors là, donc, c'était du temps de mon grand-père, ils se sont réunis et ils ont dit, ça ne peut plus faire. On va se monter, nous, une coopérative. La Société d'Histoire de Rieux-la-Pape nous met en contact avec Monsieur d'Allemagne, un témoin qui a connu la choucrouterie de l'intérieur. Alors mon rôle, c'était responsable technique. J'assistais mon père, qui à l'époque était directeur de l'usine depuis 1956. Et moi, je suis rentré à l'usine en 1974. Fils de l'ancien directeur, il a grandi dans ses bâtiments. Il y a ensuite travaillé. Il en connaît donc les moindres recoins et tous les usages. Après une première rencontre à l'espace Baudelaire, il nous propose de nous accompagner pour une visite sur place et de nous servir de guide. Donc là, on est dans la cour donc de la choucrouterie coopérative. Bon, je vais pas refaire l'historique, créée en 1906, sous l'égide de M. Philibert Drevet. Devant moi ou derrière vous, on a les habitations et les bureaux d'origine. Donc tout le banc, c'était des bureaux. L'étage, c'était les habitations du directeur. C'est d'Allemagne, et au-dessus, pièces archives, réunions et accessoirement salle de jeu. Derrière vous, ça a été démonté, il y avait aussi une habitation qui était réservée au contremaître, donc qui surveillait toute la production et tout. Et donc derrière nous, aujourd'hui, on voit des bâtiments en béton, mais avant, il faut savoir qu'il y avait un grand bâtiment qui était en bois, grosse charpente en bois, qui abritait la tonnellerie, puisqu'on faisait nos tonneaux, qui abritait une partie de la découpe du chou. Et devant, c'est là où on stockait les choux en hiver,
puisqu'on récoltait les choux de septembre jusqu'à fin octobre, enfin variable selon les années bien sûr, et les choux étaient stockés et retravaillés après. Et au milieu de la cour, donc on a trois inscriptions malheureusement qui ont plus ou moins disparu, où on a marqué Union, ici Travail et Ordre. Donc c'est un peu les maîtres mots d'une coopérative. Coopérative, c'est quand même une union, et puis Travail et Ordre, c'est ce qu'il faut dans toute entreprise pour que ça marche. Donc ici on est dans la salle des cuves. Pour remplir les cuves de choucroute, ça se passait dans les ateliers qui ont brûlé, qui ont été donc reconstruits complètement différemment. Et on avait deux couteaux à choux qui étaient entraînés par des systèmes, assez ancestrales. Un moteur, plusieurs poulies pour plusieurs machines. Les choux étaient récupérés dans des gros paniers en osier qui étaient amenés à la main, versés dans les cuves, étalés avec une fourche. Il y avait une personne dans la cuve qui étalait par couches bien régulières au niveau de la cuve, qui salait à la main, 2% de sel toujours. Et après, quand la cuve était pleine, bien sûr on changeait de cuve, on mettait des poids, des contrepoids, ce qu'on verra tout à l'heure à l'étage inférieur. Donc c'est l'embase des cuves, mais des cuves en ciment donc, qui ont été faites dans les années 60. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit c'est des gros carrés, c'est 4 sur 4. Et donc on en a 1, 2, 3, 4, on va compter sur la longueur, mais il y avait, je crois que c'est 100, 116, on va recompter. Six fois quatre, vingt-quatre par quatre, 16, 96 cubes. Alors, il faudrait que je retrouve des bouchons de vidange. On va en trouver, voilà, il y en a là. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on mettait le chou salé et qu'on le pressait, bien évidemment, il sortait du jus. Et ce jus sortait par ces tuyaux-là. Donc ça coulait quand même pas mal, surtout au début. Et c'était nécessaire pour que justement la fermentation puisse se faire. Alors à l'époque, ici, c'était pas bétonné rien, ça coulait, un peu naturellement. Tout se rejoignait dans le fossé qui est derrière l'usine et tout partait directement en Saône. Donc ce qui faisait des odeurs pas toujours très agréables. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de tout à l'égout. Alors, on voit des ancêtres d'évacuation qui avaient été refaits, là, pour l'écoulement des jus. J'ai trouvé une petite trappe, qui a été bouchée, bien évidemment, quand la dent a été faite. Alors, pour vous expliquer que donc, le chou, par le système de chèvre, donc, on mettait un plancher en bois sur le chou, on mettait une chèvre, et au bout de la chèvre, on mettait un contrepoids, c'est ça. Donc, une grande barre de fer, un crochet. On accrochait le poids en hauteur, on enlevait le treuil et on laissait, et je vous dis, on pouvait laisser jusqu'à des cuves qui ont eu plus d'un an. Elles étaient beaucoup plus hautes, elles dépassaient de 80 cm. Et donc bien sûr, ça c'était les allées de circulation entre les cuves. Les piliers sont d'origine, oui. Enfin, sont d'origine de la construction des cuves en béton, bien sûr. Parce qu'à l'époque, il y avait des cuves en bois. Alors les cuves en bois, on avait des embases qu'on voit d'ailleurs sur des photos. Elle va par là. Voilà. Mais voilà, donc ça c'était l'embase. Là-dessus, il y avait le front, toutes les duelles qui étaient cerclées comme des tonneaux normaux, où régulièrement il fallait revenir remonter les cerclages pour l'étanchéité et tout. C'était exactement pareil, voilà. Il y avait, au lieu d'être un plancher béton, c'était un plancher bois. Elle dépassait exactement pareil. Le système de contrepoids était le même pour le passage. Donc là, on est dans le sous-sol de l'atelier où nous faisions les tonneaux. D'accord. Donc tout ça est d'origine, bien sûr. Et tout ce sous-sol a été utilisé quand on a monté la conserverie, on stockait nos boîtes de conserve. Et comme je disais tout à l'heure, c'est arrivé que des pyramides, pour une boîte qui, pour une raison XY, fermentait, explosait, nous faisait tomber la pyramide. Ouh là là. Et ces boîtes, on les amenait par l'intermédiaire. Il est là-bas, il existe toujours. Hein. Donc là, on avait conçu un monde charge, bien sûr, pour descendre parce que on stérilisait ça dans des paniers ronds qui étaient sur des chariots. Et quand le panier était sorti, il descendait, c'était entreposé, on montait et l'appareil marchait toute la journée en aller-retour.
Grâce à M. Dalmagne, nous avons enfin compris le site. Le bâtiment témoigne du passé agricole de Rieux, petite commune rurale de l'Ain dont les agriculteurs se sont organisés pour valoriser leur production de manière indépendante. Mais aujourd'hui, le lieu est condamné. Les bâtiments sont peu fonctionnels et situés sur un espace utile pour développer les nouvelles activités humaines. Donc le centre technique était implanté depuis la fin des années 60, début des années 70 sur avenue Victor Hugo, sur les locaux de l'ancienne choucrouterie. Depuis le début de l'année 2016, l'ensemble des services techniques, donc le CTM qui était avenue Victor Hugo, les espaces verts et le patrimoine sont regroupés sur le site d'Osterod, donc devant l'état avancé de vieillesse hein, de ces locaux de la choucrouterie. Il a été décidé de déconstruire ces locaux pour aussi une autre raison, l'évolution du secteur, avec notamment la construction à la place de 30 logements par la Sencoda, et aussi le débouché d'une nouvelle voirie et permettra un bouclage complet et d'urbaniser les terrains qui se trouvent à l'arrière du centre technique entre la voie ferrée et l'avenue Victor Hugo pour faire à peu près une dizaine de lots d'activité. Je m'appelle Thomas Père, je gère un restaurant à Rieux-la-Pape qui s'appelle Le Comptoir du Coup Pendu et on a repris l'association de la confrérie du Chou et du Bien Vivre à Rieux depuis 2 ans avec quelques autres restaurateurs et professionnels de restauration qui travaillent à Rieux. L'idée, c'est de faire perdurer la mémoire du Chou à Rieux qui est une grande tradition. On est en train de réfléchir dessus. On va certainement mettre en place un grand dîner évidemment à base de choux. Voilà, on avance doucement mais sûrement là-dessus.